Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Aujourd'hui, dernière ouverture d'Origine perdue sur cette display en tout cas. On va aller jusqu'au bout de la display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui nous fera nos 36 boosters. Donc, j'espère à tous que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé. Donc, petit moment de détente avec cette dernière ouverture. J'espère que vous avez pu suivre les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, vous avez simplement les playlists pour pouvoir reprendre. En plus, vous pouvez les reprendre simplement dans l'ordre. Comme ça, vous ne loupez rien et vous faites rien spoil. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, n'hésitez pas à me commenter un petit peu, savoir ce que vous avez eu dans cette série-là. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, Rhinophéros, Roserad, Coolumcus, Exelang, Hippotrempe, Polychombre, Sankoki, Caninos et un... le petit Dracaufeu qui fait grave plaisir en TG. Et Charmillon qui est très joli aussi en holographique. Bon bah c'est cool. Bon on va... Est-ce que je commence direct sur le centrage du Dracaufeu ou pas? Est-ce que je... Non? Non? Je reste soft? Allez, on va rester soft. C'est le début de la vidéo, on va pas commencer à attaquer Pokémon. Mais un peu mieux faire. Ouais, je suis embêtant, je sais. Mais c'est dommage. Il est très joli en tout cas. La carte est très jolie. Le centrage est juste dommage. Allez. On continue. Il y a encore des belles cartes à les tirer. Hop là. Le petit code pour vous, messieurs, dames. 1, 2, 3 et 4. Et on y croit. Allez. Aspirateur perdu. Armulis. Mademoiselle. Hexadron. Ptytar. Scorplan. Musculule. Misdibule. Cap humain, et derrière un ou pas. Eh ben non, rien d'intéressant dans ce booster. On va continuer, on va voir si on peut mieux faire. Vas-y, il nous reste quelques hits. Petite TG, ça serait pas mal aussi, on peut continuer dans les TG. Hop, code blanc, ça peut être de la TG. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Et voici. Donc, Cléodome. Masque de panique, Hypocéan, Fantominus, Opermine, Cornèbre, Chenipot, Mélophée, Elixprint, en reverse, et Mimiki, en rare classique. On peut faire mieux. Alors, le petit Dracaufeu, il a fait plaisir en tout cas, en TG comme ça. Je ne m'y attendais pas. Allez, petit code blanc, bam bam bam. Oh, c'est monsieur l'âme. 1, 2, 3 et 4. Petite énergie électrique, un petit charter. Marcia, Reliquant, Machac, Lipoutou, Finécrier, Appelard, c'est une reverse, Mystère, Love Disc, Hippotrempe et Frison. Ok. Rien du tout. Peut mieux faire. Eh, on va pas terminer sur le dernier tirage avec un tirage de tout moisi. Hein. On peut échoper quelques petites cartes, s'il vous plaît. Dial Dracaufeu, il a fait plaisir, mais on peut faire mieux. 1, 2, 3 et 4. Allez. Petite énergie, combat. Mademoiselle Andresseur, Mélancolus, Graham, Limagma, Anchoite. Et Lionceau, Confouine, Funécrire, Muscule, Branette. Petit code noir pour aller chercher un petit foulard, ce serait pas mal. 1, 2, 3. Mais ça paraît compliqué, on a peut-être atteint le quota des displays, 2 c'est le max. Allez, Lac Messing, Ariama, Pifeuille,
Rokkabo, Otaria, Zorua, Blizzy. Spoiler alert, c'est une reverse. Blizzy, Pikachu, Kudlang et Cresselia en reverse. En reverse. En holo. Ok. Ok, ok. C'est tout faible. C'est tout faible, je vous dis. Trois boosters pour essayer de se rattraper. Allez, code blanc, on peut le faire, on peut trouver la TG, si le code veut bien se montrer. Hop, voici, 1, 2, 3, 4. Et c'est une belle carte Vestiaire qui nous fait plaisir. Avec Relicante, Aspirateur Perdu, Armulis, Titar, Hexadron, Misterbe, Caninos, Granipio, et ce sera en lampe. Perroir, malheureusement, en river, c'est un parasect. En rare. Avant dernier booster de cette display. Je peux croire qu'il y a quelque chose. Je veux le croire. On ne peut pas terminer sur comme ça, sur un tirage si faible. Avec juste une TG, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas rester là-dessus. Je veux un petit truc en plus. 1, 2, 3 et 4. Allez, énergie psy. Archéodon, expérience de Nikolai, Porygon 2, Hippotrempe, Polichombre, Sankoki, Caninos, Quaneton, Arcana et Migalos. Autant vous dire que ça prend la route directe du gars qui aura eu un tirage de crotte sur la fin. Les derniers boosters. Alors, je vous promets, il y a peu de tri. C'est vraiment du hasard. Mais je conseille pas les derniers boosters au fond à droite du truc. De la display. En tout cas, dans celle-ci, c'était pas celle qu'il fallait prendre. Il fallait prendre le premier booster à gauche. 1, 2, 3, 4. Allez, énergie psy pour terminer. Coup de langue. Luminéon. Bras à remontoir. Quaneton, Zorua. Opermine, Muscule, Archéomir, Chenipote, malheureusement pas de TG, et Corbos en rare classique. Bon, bah ça sera un petit peu la cata de la dernière ouverture. On se sera arrêté là-dessus avec, pour 9 boosters, on a eu une TG de holo. Donc c'est un peu restreint, même beaucoup restreint. Par contre, on va essayer de refaire, hop là, je vais mettre ça comme ça, ça c'est de la TG, hop, 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 je vous mets les petites cartes, on va essayer de les regarder un peu plus tranquillement, voir un petit peu ce qu'on a réussi à tirer mine de rien, et ça, vous allez voir que ça reste quand même plus que sympathique. Hop, hop, sans mettre de côté. Hop. 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 Et on va faire comment ? Ça, ça. Ouh, 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 ouh. Donc, allez, je fais rapide. Donc là, on est sur l'ouverture d'une display complète. Avec Hipporoi, Desséliande, Rafflesia, Cresselia, Charmillon. 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes en holographique seulement. Hein. Ça fait pas BZF sur 36 boosters. Muplodocus en V, Drascor en V, Magnézone en V, Amovenus. En V aussi, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4 cartes. 4 cartes V. Donc Zoroark en V-Star. Et on a un petit Magnézone en V-Star aussi. Donc 2 V-Star. Stylix Radieux. Farfurax. Radieux aussi. Après, on part sur le TG. Donc on a eu la chance d'avoir l'Ordre du Boss, qui est une TG
full art, hein, de la façon à les composer. On est tous, j'espère qu'on sera tous d'accord. Après, je vais me dire, toutes les TG sont full art d'une certaine façon. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas le bord-jeu. C'est comme ça que j'ai différencié un petit peu. Donc le fameux Pikachu aussi, donc ça fait plaisir. Brannette, très très cool. Le Scolossant, le fameux qui n'a pas le tour jaune aussi, que je trouve plus que sympathique. Le Pikachu VMAX, qui pour lui a encore un niveau au-dessus. C'est le Pikachu Gold, quoi. Le Dracaufeu, donc ça fait plaisir. Et là, bien sûr, le Goupelin. Donc là, on a une vraie, vraie full art. Ni en TG, ni en quoi que ce soit. Et derrière, on termine avec The Kart, le Ptera alternatif de cette série. Donc, merci à tous d'avoir...